c'est un honneur déjà de rencontrer une équipe de D1, en plus rencontrer l'équipe du PSG qui a quand même le plus gros budget de D1 et qui je pense sera une des plus grosses équipes d'Europe dans 2-3 ans, c'est magnifique pour nous. On n'a pas trop changé nos habitudes, on a fait 3 séances dans la semaine. Ce matin on a fait un petit réveil musculaire avant d'aller manger tous ensemble au restaurant, et après la causerie elle a été d'une banalité par rapport aux autres matchs. De prendre plaisir, de kiffer comme disent les jeunes, c'est de rien lâcher, de jouer le coup à fond et de sortir du terrain avec le sourire. Moins de 5 buts, on serait satisfait. Maintenant, on ne veut pas jouer les victimes non plus. On va tout faire pour contrarier un peu l'équipe parisienne. Après, on verra. Bon, on sait très bien qu'elles sont supérieures à nous. L'exploit, on n'y songe pas. On veut simplement honorer les couleurs de nos clubs et honorer la Ligue Lorraine de football. On s'en fout. Il faut rien qu'on lâche. On sort la tête haute. Allez, pour le bébé ! Allez, on y va. Je salue les arbitres et après. Lâchez-vous, faites les efforts.
Et si vous êtes fatigué, je vous sors. Et c'est pas une honte si je vous sors. Sacrifiez-vous. Si vous ne faites pas les efforts, si vous ne sacrifiez pas pour ce match, vous ne le ferez jamais dans votre carrière. C'est pas possible. Andrea, sur la claquette, tu voulais pas la prendre? Non, j'étais là, moi. Ah ouais, c'est pareil, sur la claquette, t'es où? Loin. Oui, t'es très loin, ouais. J'ai vu Juju derrière moi quand je suis à la main. N'ayez pas de complexe. Quand vous allez au duel, allez-y franchement. Quand vous allez fixer une adversaire, allez-y franchement. Si vous voulez frapper, mettez de la conviction. Je savais comment elle jouait un peu, j'apprenais bien. Elle s'est pas tout le temps en trottinant. Parce qu'elle aussi, en fait, elle demande dans les pieds. Donc des fois, j'arrive à y aller avant elle. Et après, elle demande en profondeur. Et j'avais réussi à. Après, je ne sais pas. Je sais que l'autre, elle joue à ce poste-là. Peut-être qu'il va la mettre sur un côté. C'est pas trop grave. Donc ça. Paris était vraiment supérieur à nous, elles nous ont respecté, c'est ça qui est agréable. Nous on a été un petit peu timorés les 20 premières minutes, après on s'est un petit peu lâché, mais on a vu des bonnes choses. Ce qui me chagrine un peu, c'est qu'on savait qu'elles étaient fortes sur les coups de pied arrêtés, les coups francs et les corners. Bon, on s'est pris 3 des 5 buts sur coups de pied arrêtés, voilà, c'est tout. Hein, mais c'est une très belle équipe quand même. C'est agréable, bon, ça serait bien que ça soit tous les dimanches comme ça, mais bon, j'espère simplement que les spectateurs qui ne connaissaient pas le foot féminin ont apprécié le spectacle. Je pense que c'était agréable, on a eu le soleil, on avait une belle équipe de Paris, Algrange s'est battue avec ses moyens, et je pense que c'était une belle promotion pour le foot féminin. Bah, l'objectif, bah, c'est de gagner le plus de matchs possible jusqu'à la fin de saison. Et après, bah, on verra s'il y a quelque chose au bout. La D1, c'est possible? C'est possible parce qu'on est pour l'instant on est leader. Mais après, ceux qui connaissent bien notre championnat savent que c'est très très serré. Allez.